Bonjour à toutes et à tous et à tous, et mesdames et messieurs, messieurs, messieurs et mesdames. Et c'est parti pour la suite. C'est vrai que j'ai un peu merdé pour le dernier. Je vous l'avouerai. C'est parti pour la suite. Oh putain, c'est vrai. On s'est arrêté ici. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Attendez. C'est obligé qu'il y ait un truc à faire avec ça. Non, il n'y a rien du tout. Arrête de bouger. Il y en avait pas un, non? D'accord. Oh putain. Ouais, non, ça se détruit pas. On peut monter au-dessus? Bien sûr que non. Attendez, je veux juste essayer un truc. Oh. Je vais juste voir si ça fonctionne. D'accord. C'est de la perte de temps. Alors, attendez. Est-ce que celui-là est fait? Oui. Oui. Ok, maintenant on va enchaîner tout ça. Pouf. Pouf. Mais tu croyais que quoi? Bon, lui, c'est fait. Viens là, petit lapin qui se transforme en papillon, j'ai rien compris à la vie. Il n'avait pas... Bon, allez, bref. Ouais, salut, mais c'est pas toi que je veux pour l'instant. Il y a un coffre, du coup, je sais... Bah, du coup, on va descendre. C'est parti. Caverne de glace. Oh. C'est parti. J'espère que ça va vous plaire. Oui, on peut le dire. Ça bug, c'est tout à fait normal. Je voulais m'excuser pour le son. Bon, pourquoi m'excuser, mais bon. Pour certaines de ma famille, entre guillemets, je précise, hein. Pas toutes non plus, qui me disent le son de ta voix est beaucoup trop fort ou c'est le son du jeu qui est beaucoup trop fort. J'en suis désolé. Très désolé. Je vous l'expliquerai pourquoi. Le pourquoi du comment, en fait, tout simplement. C'est quand j'aurai plus d'abonnés, tout simplement. Là, c'est sans que je le dise parce qu'il y a presque personne qui me suive. Bref. Billy Bolo. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, d'accord. Bon, attendez, on admire un peu quand même. C'est beau. C'est beau. Allez, c'est parti. On va essayer d'aller vraiment le plus loin possible. Le maximum de chez maximum. Oh, tu vas arrêter de bouger, putain de... Voilà. Allez, mange. Un mot d'avertissement, mon petit. Attends d'être aussi grand que... moi, avant de charger ces grands ennemis. Mais c'est moi ou ils savent plus quoi rien dire, en fait, tout simplement. Au début, ils nous expliquaient comment faut faire et tout. Voilà, tout simplement. Mais maintenant, ils disent que de la merde. Oh. Que je te charge, toi. Que je t'ai niqué. C'est pas comme ça. Fais un combo. Waouh. J'avais pas vu si on perdait des gemmes. Il me semble. J'ai un doute. J'ai un énorme... Attendez, parce que j'enchaîne, mais... Je regarde même pas autour de moi. Concentration optimale. Et surtout... Allez. Oh, il est devenu bleu. D'accord. Maintenant, il est plus bleu. Ça. Ta gueule. Je suis trop con, putain. Et hop là. Et hop là. Voilà, on prend. Bien. Oh merde, il faut une clé, putain.
T'es sérieux le mec? Merde, je voulais pas te sauver maintenant, mais bon, c'est pas. Spiro, il y a des grands gnorques là-bas qui portent tes armures. Et dans les cavernes de glace, leurs bottes en métal glissent beaucoup. Quoi? D'accord, je pensais qu'on pouvait les prendre, mais je sais pas. Ils se ressemblent en plus. Je sais pas si vous l'avez entendu. Ou peut-être je couperai dans le montage, mais... Ah, ce chien. Allez, dégage. On va éviter de tomber, comme lui. J'aimerais avoir rien qu'une pièce spéciale. Et pour ma YouTube, pour autre chose aussi. Mais bon, c'est qu'on n'a pas de sous, c'est qu'on est sans argent comme nous. Comme nous, comme moi plutôt. Comme nous, n'importe quoi, moi. D'accord, mec. Je vais venir te cramer le fion, tu vas rien comprendre à ta vie. Ah non, plutôt la tranche. Je mets la trench. Putain, je me suis encore loupé. Putain, mais ça m'intrigue de pas prendre les deux gemmes là-bas, putain. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Merci de m'avoir libéré. C'est bien ce que j'avais dit. Ils savent plus quoi dire, ils savent plus rien dire. Merci de m'avoir libéré. De rien, mec. Non. Non. Oh, wow, wow. Deux secondes. Oh, arrête de bugger, deux secondes, s'il te plaît. Putain, mais monte. C'est par là que je suis... Ouais. Oui, je sais pas là, je suis... Excusez-moi, mais j'y retourne deux secondes. Vous avez vu comme moi. Il sert bien à quelque chose, ça. Voilà. Et maintenant, on va y retourner. Non, pas par là. T'inquiète, je vais venir te dégommer deux secondes. Ouais, je sais ce que... Non! Putain! Vous inquiétez pas, je vais tout faire pour... Ouh, putain, j'ai failli tomber. Pour enchaîner. Aïe, putain. Allez, c'est là. On monte. Pouf, 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 pouf. Mais, putain, j'ai appuyé trop tôt, quel con. Excusez-moi. Je fais que la merde. Putain, je fais vraiment grave de la merde. Ces armes, où le veux-tu? Oui, déjà j'aime. Est-ce que je peux pas sauter d'ici? Ah bah, je suis mort. Putain, que. J'aurais dû appuyer sur le bouton. C'est pas grave, chargement. Premièrement. C'est bon, je l'ai chopé en fait. Bon, j'espère parce que là ça me tourne. Logiquement, oui. Qu'est-ce que tu me fais chier toi, putain? Il y a un petit chemin par là, il y a des caisses par là. Wow. On se calme. Putain, mec, t'es...
monter ici. Comment on fait pour monter là-haut? Vas-y, mange-le. Papillon bleu. D'accord, en fait, ça lui fait rien du tout. Je n'ai rien à foutre. Il y a marqué quoi? On tourne à la maison. Mais on ne tourne pas à la maison tout de suite maintenant. Parce qu'il y a encore tout ça. Putain. Fils de chouin, tiens. Oh, ta gueule. Je crois que c'est au bout de 3 coups. Je sais pas. Je me rappelle plus trop. Oh, ta gueule, toi. Putain. Putain. J'ai peut-être compris, en fait. C'est peut-être débile ce que je suis en train de... ce que je vais dire, mais... C'est peut-être grâce à la libolule. Parce que regardez, elle est verte. Il y avait quelques instants, il était... Putain, mec. Comment tu veux que je prends ça? Non. M'en voulais pas, mais je vais pas remonter, juste prendre 2 petites gemmes de 1. C'est bien ça. 1? Ouais. Tant pis, c'est pas un. Putain, mais esquive, tête de con. Tiens, connard. T'inquiète, j'arrive pour te déglinguer, je suis mon pote. Je suis dégoûté. C'est pas grave. En fait, ça c'est de la vie, c'est obligé. Ça doit être sûrement ça. Non! Non! Faut que je prends le Wiflex pour faire hop et hop. Voilà, comme ça. Même si c'est pas spécialement bien, ça vient grande chose. Tu as fait du bon travail, Spyro. Certains dragons pensaient que tu n'étais pas prêt, mais je savais qu'ils se trompaient. Je suis toujours prêt. Prêt pour quoi? Mais termine ta phrase, putain. Prêt pour quoi? Mais là, tu réponds pas. Non, là, c'est le retour à la casse-bas. Putain, non mais sérieux les gens? Tu veux comment je monte là-haut? C'est pas possible. Non, 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 non. C'est pas possible. Non, 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 rentre pas, hein. T'es ouf. Merci de m'avoir libéré, Spyro. Alors, où en étais-je? On va rien dire. J'y retourne 2 secondes, vite fait, pouf. En évitant de tomber, parce que je peux nous recommencer. Hop, 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 par là. C'est obligé qui... Faut que je regarde comment faire. Attendez, attendez. Y'a pas un œuf ici? Ah non. Comment faire pour le déglinguer? Putain, mec, t'es sérieux? Non, là, c'est le vide complet. Aïe aïe aïe. Il est trop con. Mais comment on fait pour aller là-haut? Mais non. Bah je ne sais pas. Tant pis.
qui planait peut-être pour une prochaine fois. Juste, je réfléchis, mais... Bah non, je vois pas du tout. C'est bon, attendez, hop, hop, hop. Au suivant. On n'avance pas beaucoup avec moi. Je me demande bien pourquoi. Allez, hop, on remonte et on part du côté gauche. Ouais, c'est ça. Oh, du mignon, du tout petit, je ne le crois même. On peut pas les ouvrir, ça pour l'instant. Attendez, attendez, attendez. J'ai cru qu'on pouvait le faire avec le canon. Attendez, attendez, attendez. C'est peut-être possible. Non, je dis que de la merde. Docteur Championship. Wow. Mais lui, il me donne pas de les zombies. Attendez, y'a quoi là-bas? Y'a que dalle. Ça doit être là beaucoup. Bah tant pis, hein, j'y vais. C'est pas tiche. Oh! Combat. C'est peut-être pas par là qu'il fallait passer. Je sais pas. Pour être franc avec vous, je connais vraiment pas Spyro. De toute façon, je l'ai dit au premier épisode. Oh, ça, par contre, l'éclipse, c'est magnifique. Attendez. Vas-y, souris. Cheese. Aïe, putain, mais quel con. Mais il s'est suicidé, ce con. Putain, mec. Mais casse ta là. T'aurais pu y aller quand même, t'abuses. Bon, y'a rien par là, c'est bon. Ta gueule. Salut. Excusez-moi si je tourne assez vite ou je sais pas quoi. Ça fait mal aux yeux, désolé. Mais on va dire le mot, j'enchaîne. Non, putain, il m'a fait flipper ce con. Oh putain, j'allais louper ça. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Hein. Qu'est-ce que tu veux, toi? Sale paumé de la vie. Hop là, hop là. D'accord. Attendez, parce qu'il y a plein de trucs là. On fait d'abord tout le bas. Doucement. Mais sûrement. Ouais. Ok. Oh non, c'est pas possible, c'est tellement beau. Oh, c'est beau, dis donc. La libellule qui tue, qui teinte. C'est quoi ça? Ah, j'ai cru que je me suis loupé, hein. 25! Oh, c'est joli ça. J'ai une clé. Le mec il hurle. J'ai une clé. Est-ce qu'on pourra passer par l'autre côté au moins? Attendez, 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 attendez. Je suis un ouf moi. Logiquement, ça passe. Fais voir si je pouvais passer. Oh putain. Bah oui, je pouvais passer. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis passé quand même. Attendez. Non, c'est bon. Vaut mieux toujours regarder derrière, devant, en haut, en bas, à droite et à gauche. Le docteur Shem se croit tellement cool.
Tu sais pas ce que c'est que de l'entendre parler encore et encore. Mais laisse-moi te dire un truc. Il devrait surveiller ses arrières. Ouais, parce que j'arrive. Aïe, putain, mais t'es trop con, mec. Ah, mais c'est lui. Pff, ouais, d'accord. D'accord. J'avais pas compris. Bon, allez. Sérieusement. C'est lui, docteur machin chose, moi. Hop là. Putain, mais comment tu veux faire ça? Tu veux que je te crame la gueule? D'accord, je suis mort. Super. Non, sérieusement, je me concentre. Comment faire? Merde, putain, j'ai oublié d'esquiver. Oh, mais là, c'est facile. Je comprends pas comment faut faire pour... Just approach. Oh, en fait, non, j'ai un dit, c'est juste... C'est moi le con, là, dans les... Viens là, je vais te déglinguer. Aïe. Ok. Tiens, fils de chouin, tu croyais que quoi là? Bâtard. Trop violent le mec. Comme toujours. Oh putain, j'ai pas réussi. Mais bon, c'est pas grave. Oui, j'ai récupéré la clé. On peut pas remonter de là. C'est trop chiant. Wow, ça m'a fait flipper d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Allez, monte. Voilà. Hop. 300, on a tous les dragons et on se casse. Et on a déglingué. J'ai eu un bug là, désolé. Excuse me. Putain, mais comment on fait pour péter ça? Et voilà, et là il gueule. Oh putain, j'ai pas y tomber par contre. Hop. Donc ici, c'est une première fois que je viens par ici. D'accord. J'ai une clé. D'accord, c'est pas toi qui voulais fermer. Bien joué, Spyro. Continue comme ça pour accomplir ta destinée. Destinée? Je veux juste botter quelqu'un. Occupe-toi seulement de ses ennemis et retrouve les trésors. Ouh, on va éviter de faire ça. Putain, mais je vois que dalle. Merde, désolé, petite fée. Voilà, connard. Ça me fait 5 œufs en total. Bon. J'ai une clé. Je sais pas où il est le coffre. Peut-être là-bas. Non. Oh putain, mais qui est con. J'ai con.
D'accord, mec. Allez, plus sérieusement. Oh, 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 oh. Oui, j'ai trouvé la copine. Mais tout ça pour ça, putain, t'es sérieux, mec. C'est bon, j'ai tout fini. Attendez, attendez, attendez. D'accord. Ouais, mais là, il me manque des gemmes. Donc, je peux comprendre. Donc, c'est parti, on peut y aller. Tu es retrouvé si vite autant de trésors. Si tu es prêt, monte à bord et en route pour le monde des ouvriers magiques. Oui, je vais y aller. Youpi. Putain. Mais... Tu vas atterrir sur notre tranche. Désolé, il y a eu des complications d'un coup. Non, je déconne. C'est pas des complications, mais il y a eu trop de boucans. Du coup, j'ai pas parlé. Ça va couper au montage. C'est bien le montage, hein. Sérieusement, hop. Ok, je dois aller par là. Il est beau ce monde. Franchement, il est beau. Je le kiffe. Hop, 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 hop. Aïe. Non, genre, ça commence direct. Oh la tronche qu'il a lui. Tu me fais déconner mon pote. Ouais mais attends Quoi? Mais t'es passé où toi? Waouh. Ok c'est bon j'ai compris. Comment les fracasser? Dragon viens à moi. Chez les ouvriers magiques, il faut que tu libères les dragons, retrouves nos trésors et reprennes les œufs à ces satanés voleurs bleus. T'inquiète pas, chef. Putain, mais il est là, ce con. Je t'enculé, tu vois. Façon de parler. Sortir de la vue. Maintenant j'ai compris ton système mon pote. Est-ce que j'ai ferai pas un combo des trois? Oh ça fonctionne. Je sais pas mais il me semblait que ça fonctionnait. Oui. Alors, alors on regarde doucement vite fait. Okay. C'est moi ou ils sont cons?
Désolé, 2 secondes, je vais régler un... Oh. Ça appuie tout seul sur le bouton, 2 fois de suite. Bref, régler un petit sushi. C'est bon, j'ai réglé le... Bon, mes façons de parler. C'est juste que... C'est bon, on peut rentrer des deux côtés, ce serait bizarre, c'est bon. Du coup, c'est chaîne alpine. Ouais, j'ai réglé entre guillemets la façon de sushi. Pourquoi mon chien criait? Je me demande bien pourquoi. Non, je déconne, c'est juste les voisins qui se garent en plein milieu de la route. Et qui laissent le moteur allumé. Du coup, mon chien, il gueule. Il crie. Il fait wouf, wouf, wouf. Quelle est belle... Bah, putain. Quelle belle imitation, mon chien. Non, sérieusement. Allez, là, c'est lent, tes chargements. Oh, tu vas où, toi? T'étais pas obligé d'aller aussi haut. Tu le sais, ça. Tu le sais, ça. Attendez. On regarde tout autour. En évitant de tomber. C'est quoi, ça? Non, 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 non. Ah, d'accord. C'était juste ça. Salut. Je suis désolé, mais vous êtes méchant. Ça me fait de la peine un peu quand même. Hein. Je vous avoue que ça me fait vraiment de la peine, ouais. On doit les tuer. On les brûle de coco et après... Quoi? T'es sérieux là, mec? C'est quoi ton pouvoir de balle? C'était trop marrant. Non, Spiro, tu n'as pas peur de ces gigantesques animaux affreux, hein? Bien sûr que non. Oh, parfait. J'en étais sûr. Hein? Ils ont, à vrai dire, c'est pas fait qu'ils font. Oh putain, j'allais sauter, j'allais oublier. Il y a tout ça, mais attendez. Oh, oh mais t'es sérieux là, tonton? J'ai cru qu'on pouvait y aller. Heureusement que j'ai le réflexe de des fois tourner l'écran. Bon, attendez, je dois sauter par là. Attention, c'est que par là. C'est pas le fait qu'ils font flipper, je trouve qu'ils sont hyper stylés surtout. Regardez-moi ça. Je le verrais bien dans un film. Je sais rien. Oh putain, pourquoi tu m'as sauté dessus? Ça m'a fait sursauter. La gueule. La gueule! Tchou! Nanana, on va essayer de lui foncer dessus. Bien, tonton. Bon, je vais bouffer, pour en parler, j'ai cramé, hop, il mange le papillonnet. Ta gueule, toi, putain, tu m'as saoulé avec ta magie à 2 balles, là. Allez, viens là, dragon. Merci de m'avoir libéré. Bon, c'est un peu trop cliché, ce genre de truc, non? Il fait de la potion, du coup, on met des sortes de... Des potions sur leur tronche là. Avec des lunettes en plus. Toujours avec des lunettes. Bref, c'est qu'un jeu, tonton, c'est qu'un jeu. Comment ils font pour aller dedans? Ils sont cons quoi. Tiens, bon appétit. Je croyais qu'il allait le manger, hein. Capouche. Je vais pas devenir mes copains parce que je vous crame le cul là. Bon viens là, toi tu m'as saoulé. Oh, il m'a fait flipper. Attendez, attendez. Retour à la maison. Du coup, on va aller en bas. Ils font dodo, je suis mignon. Je suis désolé.
Bon, en fait, c'est ça, il saute, il plaque, il plume, et voilà, c'est tout. Je sais pas à quoi il sert, ces trophées, là. Aïe. Bon, allez, on essaye d'aller un peu plus vite. Sans rien oublier, bien sûr. Sans rentrer à la maison, bêtement. Excellent travail, Spyro. Continue comme ça, et tu sauras tout ce qu'il y a à savoir du monde des ouvriers magiques. Par contre, lui, ses ailes, ils sont magnifiques. En forme de cristaux, là, comme ça. Non. Et ça nous fait retourner à la maison. Pourquoi j'ai pas envie de retourner à la maison? Eh bien, attends, il me manquait beaucoup de choses, hein. Il me manque là-bas. Et là-bas. Comment on fait pour aller jusqu'à là-bas? Wow, mais attendez. C'est quoi ça? Mais il me manque beaucoup de choses là. Putain, d'ici, je peux. Est-ce que je peux aller jusqu'à là-bas là? Bah, on va essayer, mais bon. Ce qui m'étonnerait énormément. Peut-être de l'autre côté, on va essayer. Heureusement qu'on perd pas vraiment de la vie ou des gemmes. Des gemmes, des diamants. Hein. Allez, c'est trop long, putain, ton chargement. Là, logiquement, on peut y aller. Oui. Oh, puis j'allais ou bien dragon. Oh non, pas lui. N'oublie pas que ces voleurs bleus ont aussi pris des œufs ailleurs que chez les ouvriers magiques. Pas de problème, je m'occupe d'eux. Pas de problème, je m'occupe d'eux. Oh, t'as de la chance que je peux pas monter, putain. T'es un dragon, tu sais pas voler, mec, t'es sérieux, là. Attends, mais il a fait tout le tour, là. Attendez, ça veut dire qu'on pourra aller sûrement de l'autre côté. Ce serait trop bien que j'arrive par derrière comme ça. Là. Bon, c'est pas grave. Allez, tu mais il court vachement plus vite que moi là. C'est pas possible, putain. Tiens, fils de pute. Désolé pour les mots. Non. Putain, mais quel con. Vous voyez, ce genre de truc, ça me fait pas avancer dans le jeu. Alors que c'est un jeu, on va dire, pas le mot difficile. Et moi, c'est toujours moi qui complique la vie. Ça me pète bien les bonbons. Bon, je suis là. Donc, c'est par là que je dois aller. Oh putain, mais non. Oh, t'es sérieux? Oui, allez. J'ai quitté ces chances au moins. C'est bon là. Tu peux me. Oui. Oh, mais putain. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'était con, je suis en train de faire là, non? J'ai ça, là-bas y'a rien. Toi je t'avais vu de toute façon. Oh mais comment faire pour aller de l'autre côté maintenant? Vous êtes sérieux, je dois faire là jusqu'à là-bas là? Oh mais si. Allez je remonte tout ça en courant. Pouf 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 pouf. Putain mais monte là, on va te cogner la tête, tête de con. Fait ça du coup on va jusqu'à là-bas en volant.
C'est pas possible. Bon, écoutez. Je vais aller voir comment on fait. Ici, j'ai trouvé. Je viens vers vous. C'est bon, j'ai trouvé. En fait, vous voyez là? Bah au-dessus, là, je peux pas vous trop spécialement vous montrer, là. Je suis en train de monter du doigt, mais je suis trop con. Bah, voilà. C'était juste là, en fait. Il fallait sauter. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? T'es pas au même avis qu'à ça. Voilà, tout simplement. Allez, hop, on enchaîne. Wow. Ta gueule. Étant dans l'an. Wow. Désolé, mais vous m'avez grassoulé. 500. C'est bon, il y a plus rien d'être là. Niveau terminé à 100%. C'est bon, je peux rentrer. Je vous retrouve là-haut. C'est bon, j'y suis, à la maison. C'est bien ça, c'est bien. Est-ce que j'ai le temps pour en être? Pouh, c'est pas si ça dépasse plus des 40-45 minutes. Allez, c'est parti. Ça c'est fait. Vous c'est fait. Ils me font penser dans un... Je sais plus trop où ça ils m'ont fait penser là, leur tronche. Je pense que c'est avec les mupeps. Dibs. Putain, t'as de la chance, j'ai envie de te cramer la tronche toi au lieu de rigoler sur ma tolange. Oh le bâtard. Ok, j'ai compris. Oh le chouin. Il va vachement trop vite. Oh putain, mais tourne. Tourne. Putain, il va me faire perdre du temps, ce con. Oh putain. Mais genre, mais que ton souffle, il pue du... Putain, il pue du cul. Oh putain. Je vais réussir, vous inquiétez pas. Dans ta gueule, en plus j'ai mis un but. Façon de parler. Ouh, ça nous en fait beaucoup là. J'ai pas envie de compter. Non. C'est bon, ça m'a saoulé là de crever là bêtement. Du coup, je monte pas en haut. Oh, je monte pas en haut, putain. Putain, mais je suis trop con. Sérieusement. Je monte pas en haut. Non, non, je vais monter en bas. Je vais aller en haut, surtout. Lorsque tu vois des flèches comme celle-ci, tu peux charger sur elles pour déclencher une supercharge. Une supercharge? Excellent. Vas-y, essaie. Une supercharge, à quoi ça va me servir? Waouh! Trop génial! Je sais pas, c'est trop génial! Allez, hop! Merde, je vais bien regarder c'était quoi, ou qui, ou comment! Entrée dans grotte élevée. Ok. J'espère que je vais l'enchaîner. J'ai pas grand chose à vous dire. Mais pourquoi il va toujours aussi haut là?
Je comprends plus rien, mec. Attendez. C'est... Pourquoi ils sont en train de se battre entre eux? Je comprends plus rien. Je les laisse tranquilles, mais... Waouh, mec, t'es sérieux? Aïe, putain. Aïe, putain. Non, écoutez. Ta gueule, toi, tu m'as saoulé. Toi aussi. Je regarde autour. Putain, je suis tombé. Ils se battent entre eux, c'est pas possible, ils sont trop cons. Peut-être qu'il faut pas les tuer, hein, j'en sais rien. C'est que de la merde. Oui, il fallait pas les tuer, putain. Attendez, attendez, wow, wow, wow. Vas-y, envoie-en un autre, s'il te plaît. Ok. Je suis mort à cause d'une mini-tournade. Bah si, en fait, faut les tuer, mais bon. J'ai vu des gemmes là-haut, comment faut faire pour le prendre. Bon, une en particulier, c'était une verte. Attendez, je vais vous le faire. Oh putain, mais t'as encore les buter tous. Vas-y, dégage. Regardez. Merde. Vas-y, dégage. Là, là, vous voyez, là. Ah, il y avait même une gemme rouge. Putain, mini tarot. Allez, envoie ta tournette, toi. Putain, mais toi tu fais chier. Bah voilà comment il faut faire. Désolé, mais c'était obligatoire. Façon de parler. Fais quelque chose à propos de ces druides verts. Ils veulent déplacer tout ce qu'ils voient. Ouais, un de ces quatre peut-être. Parce que j'allais pas oublier ça, mon code. Ah, ça nous fait revenir en arrière, ça c'est bien ça par contre. Nion, 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 nion. Putain, par contre, comment faire? Si c'est bon. Dégage. Dégage. C'est bon, il y avait plus rien d'autre au moins. Ouais, c'est l'île au trésor ici. Pourquoi je devrais aller là-bas et là-bas aussi? Je suis pour. Je suis que l'on peut rien. Attendez, avant de sauter. On va faire ça. C'est bon. Y'a pas un V. Y'avait pas. C'est qui ça? Bonjour, bonsoir. fait d'abeille. Avec des habits d'abeille, on dirait. Excusez-moi. Ça. Peut-être tu vas nous expliquer comment faire. Je déteste ces insectes. Quand je serai grand et fort comme toi, je les écrabouillerai tous. En attendant, n'oublie pas que la supercharge te rend invincible. Ah, j'ai compris. Il n'y a pas quelque chose là. Bon, faut pas se louper par contre. Hein. C'est bon, je t'ai niqué. Pardon. Je t'ai défoncé. Un point que tu peux même pas l'imaginer. Oh chier. Hop, hop, hop. T'es sérieux là, attendez. Attendez. Je
veux juste régler tous ces petits soucis. Mais je sens que ce sera par là que je devrais y aller. Allez, salut, je me casse. Désolé. Je donne bas. Allez. Attendez, parce que... Ouah, il y a trop de choses là d'un coup, putain. Je voulais le faire en mode à la va-vite, façon de parler. Mais non, il y a énormément de choses. Je peux même pas aller par là. Ok, c'est super. Je fais comment pour aller jusqu'à là-bas, mec? J'y arriverai pas. C'est trop bas. Oh putain. Hop. J'y arriverai pas. On va essayer, mais bon. Ah si, c'est bon. J'ai rien dit. On gueulait pas. Putain, comment ils font les gens? On va faire des combos. Oh, je les ai. Oui, si. Ça sert à rien d'aller par là, donc c'est pas par là que je vais y aller. C'est par là. Non. Non. Oh non, pas lui. Je sais pas où il va, mais il y va en tout cas. Mais où ce con? Faut regarder vraiment de partout. Ah d'accord, ça nous refait le parcours. Putain, je vais encore recommencer. Faire de la merde. Je suis content de l'avoir niqué. De l'avoir défoncé. Le souci, c'est que je remonte comment? Je vais faire le tour vite fait là. Parce que je vois pas du tout. Putain, les mecs, sérieux là. Non, mais c'est sérieux en plus? Je fais comment pour remonter? Je dois me suicider? Wow. Oh! Oh! Je dis pas non pour ça. Putain, que. Concentration optimale parce que là ça fait plus de 55 minutes. On va pas faire non plus un épisode de 1 heure, mon pote. Donc si je le vois, je l'encule. Boum, du genre comme ça. C'est lui aussi. Attendez. Un truc qui brille. Ok, je fais comment pour entrer à la maison? Carnet, oui, s'il vous plaît. C'est pas possible, putain. C'est pas possible maintenant. Mais ils sont où? Expliquez-moi, ils sont où? C'est pas que je ne veux pas, mais ils sont où? Non. J'ai oublié de regarder par là. Ah, j'ai peut-être compris. Peut-être que je suis en train de faire de la merde, mais bon. Direction droite. On fait ça. Voilà. C'est trop bien. Putain, non! Dis-moi pas que je peux pas. Je suis trop con, putain. Pourquoi vous m'emmenez là-haut, putain? Vous allez juste m'emmener à côté, bande de cons! C'était limite quand même, hein. Mais c'est bon, j'ai réussi à passer. Allez hop, on enchaîne. Non, j'ai pas envie de tomber dans l'eau.
Bah lui c'était vachement vassé. Hein. Vachement vassé. Bon, ce moment. Bon, par contre, il m'a manqué un dragon et le truc pour rentrer à la maison. J'allais dire, je vais sauter dans l'eau, mais c'est pas possible. Putain, mec. T'es sérieux là? Laissez-moi mourir. Y'a rien. Mais si, juste en face de moi, je suis trop con. J'avais pas vu, c'est bon. M'engueulez pas. Ah mais ouais, putain, d'accord. Essaie de combiner la supercharge avec le saut et le vol plané pour explorer toutes les grottes élevées. Ouais, d'où le nom, le grotte élevée. Allez, on rentre à la maison. J'ai pas tout. Je suis dégoûté. J'ai pas tout, mais bon. J'ai envie de rentrer à la maison. Je sais pas si je le fais à 100% vidéo ou hors vidéo, hors caméra live. Vous dites ça comme bon vous semble. De toute façon ça va être la fin, ça y est, j'ai tourné une heure à peu près. Oui, grotte élevée, c'est fini. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs et messieurs et mesdames. Sérieusement. C'est fini, je suis content. On enchaîne le jeu. Pas à 100%, mais bon. C'est pas grave, hein. C'est le début, c'est la première fois que je joue à Spyro. Je vais jouer au 3 en plus. Je précise, c'est pas le mien comme jeu, c'est celui de petit ami de mon pote de ma petite. N'importe quoi. Le petit ami de ma petite, hein. Donc voilà. Merci. Toutes mes félicitations. Et un T4. Bisous bonne nuit, un T4. Oh yeah.